Salut tout le monde, donc on se retrouve pour la partie 5 de Watch Dog. Donc la dernière fois on s'était laissé dans la ville à... J'ai quelque chose pour toi. Bon bah voilà. Faut qu'on se voit. Bon la dernière fois je m'étais déconnecté et du coup ça a pas dû vraiment sauvegarder la conversation avec Bad Boy. Donc bon vous l'avez déjà entendu, donc ça nous demandait d'aller à un point dans la ville. Donc là du coup ça m'a fait sauvegarder là, je sais pas pourquoi. Donc bon écoutez, on va aller là. Donc il y a des City OS, on les débloquera peut-être après la mission. Donc pour l'instant on y va, donc voilà. Alors attendez, c'est où là? Ouais, je suis pas dans la route donc ça compte pas. Alors je suis navré de vous dire que vous allez subir le lag de l'infini avec moi parce que je n'ai véritablement pas su résoudre ce problème. Ça vient vraiment pas de mon PC, ça sert à rien d'essayer de résoudre ce problème à moins de reprogrammer le jeu, ce que je ne suis pas en capacité de faire. Donc voilà. Ouais c'est vraiment très très perturbant. C'est un bon jeu tout ça, mais le problème c'est qu'il lag encore. Ça arriverait qu'à ce jeu là, je dis pas, mais ça arrivait sur Assassin's Creed et qui d'ailleurs ça n'a pas été résolu hein, pour moi. J'ai rejoué enfin voilà, et puis bon voilà, c'est pas un vieux jeu mais bon, ça n'a pas encore été résolu. J'espère que sur celui là ce sera résolu hein, parce que je pense y jouer un peu plus souvent même après avoir fini la série. Mais c'est vraiment embêtant de pas pouvoir profiter des graphismes à fond, surtout que je peux avec cet ordinateur là quoi. C'est pas... voilà quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi ça fait ça quoi. Je sais pas pourquoi ils ont refoutu la malédiction de l'ordi qui lag, du jeu qui lag sur Watch Dog. Voilà quoi. Enfin je sais pas comment ils ont fait pour pas trouver le problème. Je sais pas comment ils se débrouillent. C'est vraiment embêtant. Franchement, je tourne en moyen, quoi. C'est... Je tourne absolument en moyen, puis je vous dis pas quand je conduis, c'est la mort, quoi. Ça se voit pas souvent dans phrase, ça se voit pas beaucoup dans frappe, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. La dernière fois, c'était nickel, je tournais en 50, donc peut-être que au bout d'un certain moment du jeu, ça va plus laguer, je sais pas, j'espère. Ah, je trouvais que le klaxon. Bon, alors, bon, je vais essayer de changer de musique un peu moins fort parce que la dernière fois je me suis fait censurer. J'ai vu dans l'épisode 3 et 4 que mes vidéos étaient indisponibles. Étaient indisponibles sur. Dans certains pays et sur le téléphone. Normal, juste pour des musiques. Bon, c'est les copyrights quoi, c'est super. La vie devient super sur les yeux. Alors, hop. Donc, je me gare. Voilà. S'il n'y a pas de respect. Et on va au point de machin. Parce que j'ai pas envie de repasser 3 milliards d'années à parler. On va faire les petites missions annexes, tout ça. Parce que la dernière fois, juste en deux épisodes, j'étais en saturation de disque dur. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite dans l'histoire. Enfin, voilà. Essayer de compresser... ce que je pourrais faire en temps normal dans un épisode, mais le compresser ce que je peux faire en trois épisodes dans un seul épisode en fait. Donc voilà. En espérant que ces lags vont finir par être patchés, parce que franchement j'arrête pas d'en parler, mais c'est embêtant quoi. Bon allez, je vous laisse cinématique. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Bon, ok. Le mec a parlé pendant au moins une heure. Enfin, pendant une journée. Il fait déjà nuit. Clara. Clara.
fait plus que 17 ans. Je fais Bad Boy aussi. T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment? Quelqu'un s'amuse avec ma vie. Menace ma famille. Et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le boy est une fille. Y a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À ta place, je me fais pas confiance non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé. Je sais où retrouver ce type. Ok. Mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de DeadSec? T'as fait ça pour moi. Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à me faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé. C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le compte, des gens peuvent être blessés. Ou pire. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Le gars du texto, comment on le trouve? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Ok, c'est elle depuis le début. Par compétences obtenues. Les compétences, ok. Vous avez désormais accès à toutes les compétences. D'accord. C'est-à-dire. Alors. J'ai un peu la flemme de regarder ce que c'est exactement. Écoute, je vais regarder ça plus tard. Oui. Allô. Salut. Je parle à Bad Boy là ou à Clara? Oui, on va simplifier. Voilà. Bon, ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton type. Il est malin. Il a réacheminé son adresse via une tour. Des petites secondes. Alors, attendez, je regarde un peu les cartes. Tac. Histoire que pendant qu'elle nous parle, on aille à l'endroit histoire de aller plus vite. Service client, employé, cadre, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bâtiment, là où ils reçoivent les livraisons. On dirait que c'est sous terre, dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider? Ta façon d'empiéter sur mon espace personnel, les regards, le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais les failles. T'en as trouvé? Ça, c'est mon secret. Oups, j'avais pas vu qu'il y en avait un autre. J'ai vraiment autre chose à faire. Je dois aller où d'avant tout, là d'abord. Ok, je dois aller à la porte là-bas. Tac. Alors, il y en a combien de gars ici? Ça les distraire pas assez. Et puis il y a l'autre là-bas. Ok.
Allez, vas-y. Lui distrait. Lui, sans plus galère. Ok, je pense que c'est bon. Non. Putain, encore une tuerie. Je suis vraiment navré, mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. J'ai pas le temps. J'ai W pour accéder au profil. Oui. Ah. Tac. Bonjour. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok, j'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh, oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Le voilà, là. Effectivement. Comment? Tac. On peut pas le voir à travers. What? Bon, ok, si tu veux. Ça va être chaud de... Non. Non, mais toi là, brutal, je te jure ce système. Il n'y a personne qui va sortir de la boîte. Donc j'arrive à... C'est bon, j'en ai rien à foutre. Littéralement. Je peux pas faire en sorte. Comment je pourrais bricoler? Moi, je peux pas bricoler les armes de manière à... C'est galère. Alors, tout d'abord, je dois aller où? Ok, ça va être pas bon beaucoup. J'ai pas trop de but. Putain. Mets-toi là, mets-toi là. Il doit pas être loin, cherchez-le. Faites gaffe. Où il est? Cherchez par là.
C'est quoi cette technique que... Oups. Mais attends. En fait, ils voient que à travers... Ils ont une vision complètement trouble. Je crois qu'ils voient que... Je te jure, ils voient... Bon, trop tard. Mais je dois aller où? C'est quoi mon but? Putain, y a rien marqué. Meurs. Ah oh, merde, c'est le lance-grenade, c'est pour ça que je suis mort. Mais merde! Bon, allez, vous savez quoi? Je vais arriver, je vais tout défoncer parce que ça me gave d'attendre. Ah, ça se ralentit. Ah, ça m'a assez énervé, surtout les lags là. J'en ai. Ah, je vais pas préciser. Toc. Salut, bonjour, bonjour, vous allez mourir, voilà, c'est très très bien, c'est une très très bonne journée. Ah, ah, ok, il faut pirater un gars. Ah, mais non, mais... Mais non. Oh my god, tu me gaves. Je jure, à chaque... avant de démarrer chaque vidéo, j'essaie de résoudre un problème pour... De résoudre un problème... de faire en sorte de résoudre ce problème de lag, et à chaque fois ça me gaffe tellement que dans les vidéos quoi, je la flemme de tout faire. Et où? Eh oh, tire à travers le métal peut-être. Mais tu te fous de moi. Ah, faut appuyer sur V pour se décoincer quoi. De ce côté. Allez. Ah, du pognon. Il nous faut de l'aide maintenant. Oh putain, ils appellent les renforts là. Ok. Ah, ce sera pas... Non. Putain, je vous jure, galère. Et il meurt. Hop. Allez, tac, 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 boum. Mais il y a un spawner quoi. Et tu sais quoi, je voulais pas faire ça avec vous, mais voilà, hein. Pas chier. Oui, je suis radical, mais c'est... T'es où? Mais vous me faites chier. Ah. Je vous lance patate quoi, et hop, pas de respect. Hop, on va faire du piratatage. Bonjour, je rentre. Ok, d'accord, on peut pas. Tac. Oh, ces trucs. Mais non, mais... Et oui, c'est ça les enfants, la combinaison d'un code secret. Enfin, d'un code informatique. Ah. Oh, mais... Voilà. Bah ah oui.
puisque je vous dis que c'est pas une simple pub. J'ai un globe oculaire gigantesque là. Merde, quelqu'un a piraté mon PC. Oh putain, verrouiller les issues, faut le retrouver. C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde. Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Merde, j'ai mon lance-grenade. Merde, échange. Allez, maintenant on attend une minute. Gary, Snake des balles. Non. You, il en reste tout le temps, hein, qui fait chier. Meurs. Ah non, mais la discrétion, c'est bon, là. C'est fini. Non, faut aller où? Ouais. Donc, je me tire de là, j'imagine. Il faut tous les tuer jusqu'au dernier. Alors, voilà, enfin je l'ai ce truc. Utilisez le brouillage pour empêcher les scans CityOS de vous détecter pendant quelques instants, empêcher temporairement vos ennemis d'appeler des renforts et de témoigner l'appel de la police, fabriquer le brouillage à partir de la roue de sélection et appuyer sur G pour les utiliser. Alors, c'est que c'est le brouillage, non? Ok, alors faut que je me barre d'ici. Ah, bah il y a une porte. À moins que ce soit pas ouvert. Casser de là avec de la musique et toujours il n'y a pas de musique. Ok, parce qu'on est en mode course poursuite, donc ah oui, non c'est bon. Avancez. Wow. Tac tac tac. Ouais. Je crois que je suis celui qui détruit le plus de panneaux de stop dans ce jeu. Ah, des lags. Il y avait longtemps les donc. Et j'ai encore pas lancé le chronomètre. Hein. En fait, je fais plein d'essais avant la vidéo, c'est pour ça. Et c'est tout le temps au moment propice que je le fais pas. Point de compétence. Bon, j'ai semé la police. Oh, garé. T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Hayden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Ok. Oh, plein milieu de la ville, un endroit très sûr. Hop, c'est parti. Bon, j'ai pas point de compétence, enfin, et la compétence qui m'intéressait le plus, enfin, une des compétences qui m'intéressait le plus, c'est brouiller la police, tout ça, histoire qu'ils me retrouvent pas, c'est déjà pas mal. Excusez-moi. Bon, c'est parti, on fait les missions directes, après les points, tout ça, bon, tant que je m'en sors, ça va. Donc, je jetterai peut-être des petits coups d'œil, voir les trucs qu'il y a à faire. Oula, c'est quoi ce dérapage?
Je vais me prendre la dose de... Le copywriting, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Droit d'auteur, tout ça, à cause de la musique. À chaque virage, je sors de la route, c'est un truc de fou. En fait, faut freiner avant de tourner, tout faire un dérapage. Correct. Yeah. Voilà. Bon, pas vraiment comme ça, mais... approximativement, on va dire. Ah ouais, carrément, nous on tourne direct le chemin, même le GPS il est complètement... Alors, hop. Merci pour l'info. Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord, je vais jouer le jeu. Dévoile la source du signal. Ça ne sert à rien. Par contre, ça peut servir de barricade, mais bon. Ouais. Merde. Ah ouais, ok. Moi, bon, je crois que c'était un truc de piratage, tout. J'arrive à toute vitesse. Oh non. Oh. A new backdoor. Alors, du coup, je vois plus grand chose. Déverrouiller. Ah bon, à mon avis, enfin je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a deux. Ouais. Tac. Non, je déverrouille. Ah non, mais il y en a bien deux. Caméra, hop. Oups. C'est pas rien. Waouh, c'est quoi ces baisses là? Il y a du calme. Mmh.
là c'est casse-tête. Ah mais merde, comment on fait? Alors, ok, donc là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'activer ça pour activer celui du bas. Alors celui-là aussi, c'est le seul moyen. Ça, je ne peux pas y toucher, il y a juste par le haut. Et par le haut, je peux faire ceci et ça. Voilà, il suffit de voilà, de passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Je suis vraiment désolé, hein, c'est tellement désastreux la qualité qu'on on peut même pas lire. Non, ma bagnole. Enfin, techniquement, elle n'est pas à moi, je vous l'avoue, mais... Oh mon dieu, une plaque qui s'élève tout de seul. Bim! Hey. Je l'ai pas acheté pour rien. Ça a l'air d'être bon. Alors, à mon avis, je vais recevoir un appel. Ok, Damien. On va discuter. Ok, c'est parti. Alors on est à peu près à combien? J'ai pas mis de chronomètre, donc ça va être super. Bon, je vais faire une petite pause, je vais voir combien de temps ça fait. Bon, ça fait 30 minutes. Le problème, c'est que... Comment dire? Le fichier vidéo, il fait 125 Go, donc on va dire que c'est un petit peu gros. Le problème, c'est pas que je vais upload 125 Go, hein, c'est tout bonnement impossible, à moins d'y passer une année entière. Mais le problème c'est qu'il faut que je monte la vidéo pour qu'elle soit réduite en taille largement. À la fin elle fera quoi, 5 gigas, bon, ça va, c'est largement moins. Mais bon, c'est quand même chiant parce que je voudrais tourner d'une traite et ensuite faire les montages, mais finalement je m'aperçois que vaut mieux que je tourne et que je monte, donc ensuite que je tourne, je monte, voilà. Hop, c'est parti. Là, je fais les missions d'une traite, moi je vais pas trop chercher à faire les petites missions secondaires. Je fais l'histoire et j'imagine qu'après on aura on aura tout débloqué et ce sera vivre. Ok.
Ok, c'est carrément. Bonjour. Pardon. Merci. Téléportation. Ça alors, comme il est malin. C'est ma journée. Salut Damien. Dis-moi quand je t'ai manqué. T'as demandé à Starry d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien? T'es toujours aussi sinistre, Damien. Putain. Jamais tu te détends, toi. Je me retrouve avec mon partenaire. Moi sur l'ordi, et toi, sur le terrain, pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose. Des réponses. Qui nous a attaqués? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan d'or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors? Quoi, quoi? Tu crois être le seul à souffrir? Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais pas où trouver. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas besoin de toi. T'en veux pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je l'ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens. Après Léna, j'ai coupé les ponts avec elle. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qui se passe sur le Merlot. Bon. Alors. Tic tic tic. Faut le faire le quoi? Putain, merci pour l'info. Ah ok. Toc toc. Ah bah pour une fois on va assez loin. Hors de la ville. Alors c'est quoi ces trucs là? District. Ah oui c'est carrément des gros machins. Bon, on le fera peut-être dans l'épisode suivant. Et à chaque fois je me vois en direction. Allez, c'est vert. Merde! Je suis gouré de touche. Pauvre voiture. Genre, la dernière fois, j'ai fait Road Truck Simulator, puisque je me baladais un peu dans le jeu en hors caméra. J'ai utilisé un camion, tout ça. Enfin, je faisais toujours les mêmes conneries. Donc. Je crois que c'est pour celle-là que je me suis fait censurer aussi. Pour trois musiques. Les trois seules que j'ai dû mettre en fait. Oula oula oula, ça part en couille. Oh wow, non mais c'est galère. C'est galère mais c'est marrant. Comme s'il y avait des blessés. Ah, fallait tourner.
Non, fais pas. Ah oui. Ouais, on lève le pont. Oui. Je fais n'importe quoi. Avoir un téléphone, ça peut être dangereux. Très dangereux. Le pire c'est que je peux aller dans des garages tout ça puis avoir des super caisses, mais le problème je crois que c'est que je vais vite on peut être super belle quoi. Oh le marchand de glace. Bon allez ça se fait pas, je vais ruiner le plaisir des enfants, je vais pas prendre le camion. Non je veux que dalle, merde, cimetière, excusez-moi. Les morts, je vous ai réveillé. Ah, rien que meilleur endroit que le cimetière. Ah, ce souvenir, oui, oui, évidemment. Ouais, je connais. Bah, c'est bien ce que je pensais. Alors, je leur ai dit que ça pouvait pas être vrai. C'est facile de dire que les adjoints du maire sont des salauds. C'est quand même un ami à toi. C'est pas vraiment un ami, c'est compliqué. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs? Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... il faut vraiment que t'arrêtes de renier tout ça. Je remets rien du tout. Hayden. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça. Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger. Puisque je vous protège. Non mais tu t'entends parler. Hayden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas? Parce que... il faut que je sache. Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi. Au nom de notre famille. Je te le promets. Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan.
Retrouve-moi à Gorman Heights sur le toit. Ok. Oulala, attention, attention, c'est juste un rétroviseur, c'est pas très grave. Son classe la musique. Tac. Tout est en coup. J'embarque le poteau. C'est quoi ça? Non, je ne suis pas loupé. Non, je veux pas faire ça. Je suis pas levé pour. Ça passe. C'est bon, c'est bon. On arrive, on arrive. Le pire c'est que je passe mon code dans pas longtemps, donc c'est vraiment très ironique le truc. Tac. Salut. Voilà. Alors hop. Un petit peu de pognon, ça fait pas de mal. Ils ont carrément repris les écrans de Windows, ça me fait marrer. Quoi. Merde! Ça se trouve, j'ai encore loupé la porte. C'est comment qu'on y va? Orion, je veux une voiture. Ah, excusez-moi. Il y a la même musique dans toutes les bonnes quoi. Tac. Attendre. M'explique comment je fais. Peut-être monter par là. Ouais. Salut. Oh putain. Ça
habitent ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du coup, des gens comme eux, ça se sent à l'aise. Pour te dire, ils avaient rien d'autre qu'une petite chaînette à leur porte. De quoi regarder la tête du livreur de pizza avant d'ouvrir, tu vois? D'accord, d'accord, je vois. Et à propos du problème? C'est pour ça que j'ai pris ma grosse pince. Il ouvre un peu sa porte, il y a la chaînette, je mets la grosse pince et quick. Et là, surprise, ce soir on mange chinois. Jordi, le problème, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe, c'est ce qu'on fait. On nage dans les solutions, là, Pierce. J'ai bien l'impression que t'apprécies pas vraiment ce que je fais pour toi. T'imagines pas une seconde tous les services que je te rends. Et ça, c'est pas bien. Vraiment, ouais. Si tu veux me rendre service, mets-toi au boulot. Combien de temps on a? Pas des masses, à vrai dire. Oh, tu te souviens du cadavre? Tu sais celui du Stan? C'est plus vraiment un cadavre. Les flics l'ont envoyé au correctionnel de Chicago et il va bientôt entrer dans une salle d'interrogatoire. Tout ça pour pointer son gros doigt directement sur toi. Et comment c'est possible, ça? Et voilà qui recommence. Regarde cette bulle. Tu vois, là? J'ai reçu un coup de fil ce matin. Quelqu'un a payé une sacrée fortune pour choper ce clown et le faire parler. Et l'un de ces types dirige la mission. D'accord, je vois. Faut que j'aille lui parler, c'est ça? Oui, mais cette fois, essaie de pas faire le coup du flingue vide. Ce pauvre Maurice s'est pissé dessus après ton sketch. Chacun ses méthodes. Tu sais te servir de ce truc? Allez, bouge ton petit cul, je te couvre. Ah, et essaie de pas tuer le boss cette fois. Ça peut être utile. Sans blague. Ok, bon, je vais y aller en voiture, hop. Bon, on fait ça vite, d'accord? Mes potes du balcon commencent à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand chose. Tu crois que t'es le seul? Tu veux? L'empathie, c'est pas ton truc, hein? Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur? Qu'est-ce qu'il cherche? Toi? Quelqu'un de la tête du justicier? Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de t'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute, le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà, ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Bon, je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Attention, le mec essaie de te piéger. Ok, pas de panique. Il va y avoir une séquence de désactivation. Mais non. Ah, mais c'est fou, le foutu, ce truc. À chaque fois, ils sont obligés de faire quoi. Tu pourrais t'amuser un tout petit peu moins. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. Je sais pas de quoi tu parles. Lance Brenner.
Comment elle va, ta petite famille? Qu'est-ce que tu me... Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, des gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, elle reste aussi. Des comptes fantômes, plein à craquer. Hey. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Oh. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie, si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok, ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il a de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Réveille-toi, Pierre, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh, merde. Bon, bah super. Ils sont partout, c'est... Ah, mais merde, il s'infiltre. Non. Ah, attends, ils sont déjà sur les côtés quand je sors, quoi. Comment on fait? Réveille-toi, Pierre, s'il en arrive d'autres. Il y en a beaucoup. Pas mal, ouais. Oh, merde. Il est là, je le tiens. Non, mais merde, mais ils sont derrière et devant. Ah. On m'a déjà assez cassé la tête comme ça de régler le problème des lags. Mais il a fini par mourir. Ah non. Je fais comment ils arrivent de tous les côtés, quoi. Ah, on peut plus rentrer. Bon, allez, lâche ta position et... Vas-y.
Quoi? Non! Non! Mais vous sortez de derrière là! Fais chier! C'est quasiment une heure et il me saoule à sortir de tous les côtés là! Allez, voilà, récupère ton machin! Oh mon dieu, un hélicoptère! Ça fait 5e fois que je la vois! Hop, il va par là maintenant! Hein. Mais toi couvert, bouti. Ah, puis vous faites chier aussi. Mais sérieux, mais... Ah. Mais toi, à putain de couvert. Mais merde, ils sont de tous les côtés. Comment je vais faire, moi? Mais mets-toi à couvert. Oh, mais non, mais... Sérieux, il sort de tous les côtés, quoi. Comment on veut faire? Bon, écoutez, ellipse, parce que là, on a les fesses. Oh, alors en fait, j'ai fini par leur échapper. C'est tuer-les ou échapper. Bon, j'ai préféré m'échapper parce que bon, t'aurais tué, voilà. Quoi. Bon. T'as oublié de me rappeler. T'as retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais. Je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Wii Tower. Super, je te rappelle quand j'y serai. J'aurai peut-être besoin d'aide. Super. Bon, on a fini par finir cette mission. C'est parti. Ah oui, mince. Il est... Ça fait combien de temps? Moi, ça fait un bon bout de temps, ça doit faire pratiquement une heure. Bon, bah écoutez, bah, cette mission est enregistrée. Je pense que... Qu'on va se revoir bah, pour la mission suivante. Donc, bah écoutez, c'est fini pour l'épisode 5. On se retrouve, mince, dans l'épisode... 6, donc à l'épisode 6, salut tout le monde. Tout bien.